Bonjour les amis, c'est Jean-Luc, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis au moulin de Pasquier, sur les hauteurs, hauteur de Saint-Sulpice, de la Lèze, dans le 31. Je suis sur les hauteurs, hein, alors, vraiment, hein, c'est magnifique. C'est Jean-Luc. Nous sommes en 2023, en mai. Regardez si c'est haut. Bon, l'herbe, elle n'est pas coupée, ça c'est sûr. Regardez. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. Oh, il est usé un peu, ce moulin. Ah oui, un petit barbecue. C'est bien. Ils peuvent manger et tout là. Barbecue. Pas mal. Ils peuvent manger. Faire les saucisses avec les tables. Oui, il y a les tables. Et là, je suis sur les hauteurs. Regardez. Je suis sur les hauteurs de Saint-Sulpice. Magnifique. À la Lèze. Alors, je vais vous montrer. C'est parti. Moulin de Pesquier. Il est très joli. Mais il est vraiment grand, hein? Je recule un peu. Oh, il y a du boulot un peu. Je vais regarder s'il y a une date. Je suis pas sûr s'il y a une date. Il est beau, hein? Et on le voit de haut, hein? On le voit de loin parce qu'il est sur les hauteurs, à Saint-Sulpice. Il est beau. Je suis dans le moulin. Regardez. Je suis au moulin de Pesquier. Regardez si c'est vieux ça. Il est magnifique dedans. C'est un très beau moulin. Pesquier. Je vais monter l'escalier. Il était ouvert. C'est bizarre qu'il est ouvert. C'est ouvert le dimanche. Et là, pourquoi? Ah, il le laisse ouvert. Le dimanche, Ah, tout le dimanche, il le laisse ouvert. Il est magnifique. C'est Jean-Luc. Regardez ça un peu. Quelle toiture! Il est magnifique, hein? J'essaye de trouver une date du moulin.
T'as vu toutes ces photos qu'il y a? J'ai pas trouvé le moulin encore. Il y a un gardien. Regardez. Regardez. Moulin de Pesquier à Saint-Sulpice. Et là, il y a un livre. Si on veut. Vous voyez? On peut marquer si vous voulez. On peut marquer. Vous voyez? On peut marquer, on peut faire tout. Il surveille. Très joli. Regardez, il y a un deuxième petit moulin dedans. Regardez un peu ce mécanisme. Regardez. Vous voyez, vous le tournez là. Il est tout en bois. Hein. Il est tout en bois. Il est dedans. Il est magnifique. Une luge ancienne. Il est beau, ouais. Ah, le moulin. Je ne sais pas de quelle date il est. Vous voyez? Allez, monsieur. À la prochaine. C'est beau. Il est très joli. Tous les dimanches, il est ouvert. Hein. Je pense que vers 6 h, ils doivent le fermer. Je pense. Allez, je redescends. Regardez un peu ces escaliers. Il est beau. Là, vous voyez, regardez ce là, c'est vieux ça. Vous avez vu? Et ça. Et bonjour madame, dans la brouette. Là-haut, il y a le monsieur et là, il y a la dame. C'est Jean-Luc et nous sommes en 2023. Oui. Oui. Voilà. Il est bloqué. Voilà, je vais refermer, tranquille. Allez. Ah, tu l'as vu. Ah, c'est bien. Alors, il a été construit au 15e siècle. Voilà,
Il est à haut de la commune au 15e siècle. Il a été construit. Vous savez qu'on peut faire des beaux appartements hein, dedans. Hein. Moi, c'est mon rêve. Hein. Ah, il ferme à 19h. C'est bien à voir, hein. Je vous le dis. Hein. C'est très joli, mais il faut venir le dimanche. Hein. Il n'y a personne. Hein. C'est vrai, il n'y a personne, mais vous pouvez ouvrir la porte et vous trouverez tout ce que vous avez vu aujourd'hui, là. Il est magnifique. Pesquier, en 1500. Voilà, j'y suis. À Saint-Sulpice. Dalaise, au département 31. Après, je vais aller voir au village si je peux trouver des autres trucs. Mais c'est magnifique. Hein. C'est bien parce que la semaine, il est fermé. Toute la semaine. Et le dimanche, ils ouvrent. Il n'y a personne, hein. Et le dimanche, ils ouvrent, vous pouvez y aller. La porte, vous la trouverez ouverte. C'est-à-dire, vous la poussez, elle n'est pas fermée à clé. Et c'est bien. Vous voyez, elle est dans un petit espace là. C'est magnifique. Hein? Ah ouais. Là, on peut redescendre là. Vous voyez, à droite. Moi, je vais prendre le village après. Je vais repartir ici. J'ai vu qu'il y avait un pont aussi. J'ai vu qu'il y avait un pont. Regardez si c'est grand, le champ de blé. Voilà. C'est très joli. Ça vaut le coup de venir. Le dimanche. Je peux vous dire, il n'y a personne, hein. Vous êtes tranquille, vous refermez la porte et c'est tout. Je l'ai trouvé moi sur la route en passant, il est sur les hauteurs. Il est magnifique. On voit qu'il est vieux quand même. Hein. Et là, de temps en temps, ils font du pain. Et c'est la fête du moulin, ils font des fêtes. De temps en temps. Voilà, des croustades. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous ai montré le four. C'est bien, au moins. Regardez un peu cette hélice. Regardez. Pouille. C'est bien, c'est bien. Ils s'en occupent quand même. Hein. Voilà, ils avaient essayé de refaire du béton. Là, on le voit. Regardez la couleur. Sur le côté gauche, on le voit. Hein. Il est beau. Et là, de temps en temps, ils viennent, ils font une fête, ils font des croustades, ils font du pain et tout, ici. Pour ça, vous voyez, ce petit barbecue, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est bien. Voilà. Bon, et là, vous pouvez venir, vous pouvez manger aussi, hein. Pas de problème. J'espère qu'ils vont couper l'herbe, mais voilà. Alors, vous pouvez venir le dimanche. À partir de dimanche, voilà. Et il ferme à 19h. Il n'y a personne, hein, je vous dis de suite. Hein. Il le laisse au public comme ça. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien fait. Allez, je vous dis salut. C'était Jean-Luc. À la prochaine vidéo.
Au revoir. Bye bye.